Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans Notes, Yana et Dominique décidaient d'aller enquêter sur le sanatorium tout en s'inquiétant de ce que devient Kubik. Nous reprenons alors qu'ils décident d'infiltrer le bâtiment. Bonne écoute de Holomok, épisode 4. Donc vous êtes dans l'annexe en fait du bâtiment. Avec le seau et la bouteille, je l'ai laissé dans le local. Tu vois. D'accord. Voilà. Comme ça, dans l'idée, je voudrais bien ramener quelqu'un. Dans ce local, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas grand-chose. Non, ici, il y a des machines en fait pneumatiques, un treuil qui tourne, des choses comme ça, quoi. Alors pour l'instant, vous essayez de rentrer dans le... Ouais, moi, je voudrais y aller un petit discretos. Ouais. Après, moi, je suis un peu plus discret que toi, sûrement. Donc, je peux essayer d'y aller en éclaireur et... Donc, vous essayez de repérer. En fait, ils passent pas tout le temps, les gens, en fait. Là, c'est comme un peu le repos, si vous voulez. Ils ont dû faire le nettoyage, l'alimentation des différentes personnes. Il y a quelqu'un qui veut passer dans un couloir. Et puis, vous essayez d'avancer discrètement. Au bout d'un moment, vous trouvez un espèce de local qui est pas un truc de patient. Vous clenchez plusieurs portes, en fait, c'est fermé à clé. Et au moment, il y a une porte qui s'ouvre. Et t'as un truc, alors t'as quelques médicaments quelque part, t'en sais rien. Et t'as aussi plein de papiers, des choses comme ça, quoi. Il y a des documents en fait. Ok. Bah, je regarde les documents. Ok. Je garde la porte comme ça si. Tu gardes. Tu sais, je me mets derrière la porte comme ça si quelqu'un rentre. Tu la vois, elle se plonge dans les papiers, elle a des réflexes directement d'aller à l'essentiel. Elle regarde rapidement. Tu vois pas le nom d'Ovoped en fait en tant que patient. Tu t'aperçois qu'en fait, une fois par mois, il y a des gens du sanatorium qui font des allers-retours à l'extérieur du bloc. En passant par la porte Strukov. On sait ce que c'est, nous ? Ouais, c'est de la porte au nord du bloc, qui donne à l'extérieur. Ils prennent l'ambulance et ils font comme ça une fois par mois l'aller-retour. Ouais, bah, et dans les documents, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, à un moment, quand tu corrèles avec les dates que tu as pu te donner de verrer, qu'ils ont reçu quelque chose et qu'ils l'ont emmené à l'extérieur du bloc. Je dis ça à Dominique. Je dis voilà, il y a marqué SRA sur plusieurs documents. Visiblement, ils font des. Enfin. Des sorties extra-bloc. Ils en ont fait qu'une seule ? Non. Tous les mois, ils en font. Mais ils en ont fait une en plus le mois dernier. Quoi, le mois où Odd Poved devait être là. Ils ont livré le gamin, quoi. Que t'as trouvé en même temps où il est, Kubik ? Il y a ça dedans, non ? Il y a pas un planning, non ? Il y a peut-être un planning des patients ou un truc, un fiche de patients. Ouais, alors t'as fait des bonnes réussites. Donc en fait, oui, il y a différents trucs. Le numéro et, de la chambre. Y a un papier qui traîne, c'est des analyses. Il y a marqué Kubik Kralov. Et en gros, ils se demandent s'ils vont l'interner ou pas, quoi. Ils se disent. Je dis bon bah Dominique là va falloir y aller parce que ça pue là pour Kubik. En gros il y a cas de maladie néant et il y a internement point d'interrogation il y a marqué à côté place libre point d'interrogation intérêt point d'interrogation il faut ta question. Four un point d'interrogation. Ok. Et il y a marqué qu'il est, vous savez même où il est dans quelle salle il est. Bah, on va chercher Kubik et on. Par contre, il faut absolument qu'on en chope un pour le questionner. Quoi. Avec un peu de chance, ce serait. Il saura où est le gamin. Quoi. Moi, je vais en chercher un. J'ai mon cordage avec moi. Et toi, pendant ce temps-là, tu sauves Kubik du four. Quoi. Ouais, je vais. J'espère que c'est. Il est pas enfermé, mais. Y a rien. Y a pas un petit passe-partout. Y a un passe-partout, ouais. Y a un passe-partout sur le truc. T'as fait une bonne réussite, ouais. Tu trouves dans un tiroir une clé qui ouvre différentes pièces. Ok. Donc en fait, il est dans l'aile un peu plus loin, quand tu continues sur la droite, le couloir. T'arrives, tu vois, t'entends des gens qui parlent, tu te planques dans un coin, et évidemment, ils rentrent dans leur salle d'infirmier, en fait, l'endroit où ils sont. Tu vas assez rapidement vers la chambre de Kubik et tu commences à utiliser le passe-partout, toi t'entends clac, clac, clac.
Là, ils reviennent encore pour me faire un nouvel examen. Tu ouvres la porte, non, et tu vois. Je retrouve. Ouais, t'en trouves la porte et tu vois Kubik qui est en train de bougonner dans son coin, râler, désespéré. Et je fais. Hey, psst. Kubik. Qu'est-ce que tu fous là? Alors, je rentre et je referme la porte, tu vois, pour pas rester dans le couloir comme ça. Ben, je viens de te libérer là. On est avec Dominique. Il pouvait pas venir me chercher à l'accueil directement, ce con. Ah non, mais on n'était pas sûr qu'il te laisse sortir en même temps, tu sais. Ils m'ont dit que j'avais rien qui me laisserait sortir. Donc, bon, allez, vas-y, passe devant. Faut qu'on. Ils m'ont fait faire des trucs dégueulasses. C'est pas sorti. Il y avait une fumée dégueulasse. Ah non, il faut qu'on sorte. Mais on a bien fait de venir te chercher. Mais il faut trouver le gamin. Mais justement, visiblement, j'ai trouvé des papiers qui sembleraient indiquer qu'il n'est pas là. Ils nous ont exfiltré vers le nord. Tu veux dire, j'ai subi tout ça pour rien? Bon, on en parlera une fois qu'on sera parti d'ici. Allez, dépêche-toi. Ça, c'est le syndicat, hein. Qu'est-ce que tu as? Toujours des bonnes idées. Et vous ressortez, elle te ramène assez rapidement et tu le diriges vers là où vous êtes arrivé, en fait, dans le petit... Ouais, le KGB, là. Okay. Pendant ce temps-là, Dominique. Moi, j'aurais essayé de trouver quelqu'un du service SRA. Alors, fais un... Alors, t'as remarqué sur les papiers que, en fait, il y a un symbole sur, à côté du SRA. C'est un rond noir. Donc, tu dis peut-être que c'est un truc qui permet de les identifier. Tu sais que tout le monde est identifié avec des symboles sur ces... D'accord. Sur ces pages. Je vais chercher. Ok. Donc, tu... Tu avais un bon résultat tout à l'heure, donc tu t'es assez discret au début et t'arrives à... Ouais, tu vois quelqu'un qui visiblement va prendre, pas sa pause, mais quoi, erre dans les couloirs. D'accord. Je suis loin ou pas de mon petit local par rapport à tout à l'heure? Là où t'as mis le seau et tout ça? Ouais. Ah, t'es peut-être à une vingtaine de mètres quand même. Ouais, d'accord. Écoute, je vais essayer de de suivre cette personne. Tu suis la personne et donc ça te rapproche, on va dire, vers 10 mètres de ton truc et moi elle se retourne et elle fait: qu'est-ce que vous faites là? Bah je chope la pince et je lui mets un grand coup dans la gueule pour l'assommer. Avec les dommages que t'as fait, etc. Bon, il est surpris, en fait il est un peu étourdi à ce moment-là, tu peux le prendre et le baïonner facilement. Ouais, ok. Et tu le tires après, c'est ça? Ouais, après je voudrais le tirer pour être au calme dans le local technique. Donc, alors que vous arrivez dans le truc, où il y a cette odeur assez dégueulasse du vieux cordier qui est dans la pièce, en fait. Ouais, et je voulais l'amener avec vous. Et il y a Yana qui est avec toi. Et vous entendez un gros remue-ménage, et quand Gomik tire un homme avec lui, et il l'assoit par terre. Il ferme la porte. Vous êtes tous les trois. Putain, on n'a pas trouvé de masque. Ça va, Dominique? Bah ça va, regarde, j'ai un mec du service. Ok. Et là, tu prends une baffe sur l'arrière du crâne. Petit con. Bon, c'est qui, lui? C'est un mec du centre du service de soins, là, du SRA, ouais. J'espère qu'il va pouvoir nous en dire plus sur l'exfiltration de... Et c'est quoi ce SRA, là? Tu m'as dit que vous avez, le gamin, il avait été emmené... Exfiltré par des gens de ce service. Mais on sait pas où. Donc peut-être que lui, il en sait plus. Enfin, c'est d'accord. L'objectif. Bah pour l'instant, il est KO. Vous essayez de lui faire fouille. Parler ça? Ouais. C'est-à-dire, tu prends comment? Tu le réveilles comment? Bah déjà, ce que je vais faire, c'est... Il a rien sur lui. Il fouille, moi. Il n'a pas de truc. Il a un passe-partout. Il a... Ce que je vais faire pour commencer, c'est que d'abord, tant qu'il est KO, je vais le ligoter. Mmh. Ouais. Je vais prendre une partie de sa blouse, je vais la déchirer et je vais foutre en baillon. En baillon, voilà. Ouais. Vous l'aidez ou pas? S'il a besoin. S'il a besoin, pour aller plus vite, pour assurer que... Et après, mon seau, je vais le vider dehors, parce que finalement, j'ai pas besoin de vase. Ouais. Et je vais prendre un peu d'eau du fleuve et lui jeter à la gueule. Un petit réveil un peu tonique. Quoi. Ok. Donc il se prend le... Ça t'a mis un truc, hein. Ouais. Il vous regarde, il a des choses. Tu sais, je m'accroupis devant lui. On a des questions. T'as deux solutions. Soit tu parles. Mais juste tu parles. Et ça se passe bien. Soit tu hurles, ou tu ne te montres pas coopératif, et tu vas nager avec les poissons. Est-ce qu'on est bien d'accord? Il te regarde, l'air déterminé. Et moi, je suis un peu nerveux, je lui fous une grosse torgnole. Ok.
Pour l'instant, il a le truc, hein, donc... Ouais, mais... C'est... Il se prend le truc. Écoute le monsieur. Il vous regarde, le regard sombre, en fait. La situation peut peut-être paraître en notre défaveur, mais je vous jure que nous sommes des gentils. On ne veut pas vous faire de mal, on veut juste des informations. Et ces informations, comment dire, elles vont nous aider à faire le bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on avait voulu vraiment être méchant, on vous aurait déjà cassé le bras ou autre chose. Tu crois qu'il sourit ? Est-ce que Haute Pauvette, ça vous dit quelque chose ? Faites oui de la tête ou pas ? C'est quoi ça ? Il te regarde. Ok, alors il est défiant le monsieur. Bon, de toute façon, si vous coopérez pas, vous en sortirez pas vivant, comme a dit mon ami. Donc je vais vous dire des choses, et si vous les utilisez à mauvais escient, vous allez finir dans la rivière. Donc nous sommes de la résistance. Nous faisons partie d'une cabale, d'accord ? Et nous sommes là pour protéger votre pauvre. Donc, soit vous coopérez et tout se passe bien, soit vous coopérez pas et vous allez nourrir les poissons. Vous me croyez pas ? Je commence à le tirer vers les poissons parce que dans tout cas, là, ouais. T'en as trop dit, il va finir avec les poissons. Donc je le tire vers la rivière. Il se débat, hein. Évidemment, ouais. Il essaie de... Visiblement, vous m'avez pas pris au sérieux. C'est dommage pour vous. Ouais, il se débat, il essaie de faire quelque chose, mais il est... Vous maintenez, donc... Qu'est-ce que vous en faites ? Ouais, je le chope par le callback. Je lui dis, tu vois ce que je fais avec ceux qui jouent avec les gamins. Et je continue de le tirer vers la rivière, et je commence à le... Ouais, il essaie, il résiste comme il peut, mais il se débat, parce qu'il a conscience qu'il va... Ouais. Qu'il c'est la merde, mais... il répond toujours pas, quoi. Ouais, moi je suis déter, c'est qu'il, pour moi, il joue avec des gamins et il en est trop fier. Vous faites quoi, vous autres ? Bon, écoute, mon gars, comme l'a dit notre charmante dame, on est la résistance, mais moi je suis scientifique et moi je voudrais savoir comment on peut utiliser ce gamin pour soigner tout le monde. C'est ça qu'on veut. Donc maintenant, il faudrait peut-être que tu nous en dises un peu plus, parce que... Le but du jeu, c'est de sauver le maximum de monde de toutes ces radiations et tout ça. Tu peux le comprendre, toi, qui bosses dans un endroit de soins. Ok, est-ce que vous lui enlevez le baillon pour qu'il réponde ou pas ? Il faudrait qu'il soit dans un endroit où ça résonne pas, quoi, s'il se met... Là, vous êtes près de la rivière. Bah là, moi, pour moi, c'est que j'ai commencé à ouvrir la porte, elle le traînait dehors. Donc, Bah tu tiens au-dessus de l'eau, on lui enlève le baillon, ça, s'il dit autre chose que on lui dit, tu réponds doucement, sinon t'as la tête dans la flotte. Donc tu enlèves le baillon, c'est ça ? Ouais, moi je tiens la tête. C'était quoi la question ? Bah en gros, qui nous explique où est le gamin ? J'expliquais que on peut, moi en tant que scientifique, mon intérêt c'est de comprendre grâce à ce gamin comment on peut soigner le maladie. Allez-y, tuez-moi, vous ne saurez rien. Bah, je pense qu'il a pas eu le temps de dire le. Je le fous dans l'eau. Il se débat, tu sais, et tu maintiens sous l'eau. Comme ouais, je maintiens. Et au bout de quelques secondes, je le retire, je fais. Alors. Toujours la même idée. Il refait un coup dans l'eau. Ok. Donc tu l'achèves. Ah bah en fait j'essaye quelques fois de le faire parler s'il continue à être vraiment en mode... Ouais, en fait il est quasiment fanatique. Bah je le noie, il en sait trop sur nous, je le noie. Ok, vous gagnez tous les trois points de noirceur. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de chercher un local technique, des trucs qui pourraient l'alourdir. Ouais, et pour, de toute façon après il y a la vase et tout. Donc, voilà, je me dis en fait je voudrais que son corps soit découvert le plus tard possible. Ouais, voilà. Ok. C'est une belle anguille. C'est une très belle anguille, oui, là t'sais. Et évidemment, j'imagine que dans l'ambulance, il n'y a rien qui trace les trajets qui sont faits, il n'y a pas de carte. Justement, une carte, c'est avec un tracé d'itinéraire, ouais. ou des papiers qui restent, il faudrait fouiller. Ouais, avant de le jeter à l'eau, en fait, je lui ai fait les poches. T'as déjà regardé, pardon. Un autre passe-partout, si tu veux. J'avais mis un autre. Vous voulez aller voir l'ambulance, c'est ça ou pas ? L'ambulance, bah oui, là, on est... Alors, toi, t'as un mécanisme, je crois. Donc, toi, tu sais conduire une ambulance. Déjà bien. Voilà.
Vous approchez l'ambulance et bah, vous pouvez l'ouvrir. Hein, clairement, les portes ne sont pas condamnées. Vous rentrez dans l'ambulance, tu te mets au volant, je suppose. Bah déjà, on la démarre pas pour l'instant. Là, on regarde la boîte à gants et tu trouves des bons de sortie et d'entrée du véhicule. Il y a une. Avec, elles sont toutes signées du même homme, Dimitri X. Et clairement, ça correspond à toutes les entrées-sorties que tu as vues, en fait. Toutes les entrées-sorties que tu avais relevées, y compris la sortie inopinée, en fait. Mm-hmm. Et sur la carte, tu vois juste. Tu vois juste un début de truc, en fait. Il n'y a pas de carte, mais il y a un début d'orientation vers le sud-ouest, en fait. Une fois que tu sors de la porte, tu aller vers le sud-ouest. Nord et sud-ouest. Nord et sud-ouest, ouais. Il y a Inkoff, qui est dans les marais. Et au nord, il y a la porte Strokov. La porte Strokov, c'est l'ancienne porte du bloc d'Ostrava. Donc le gros bloc avant qu'il soit coupé en deux, qui donne à l'extérieur. Tu vois juste marqué 17 entouré sur un papier, là où il y avait l'espèce de aller au sud-ouest. Vous entendez du bruit, visiblement, il y a des gens qui sortent du sanatorium alors que vous êtes dans l'ambulance. Bah, on démarre, on se barre. Putain, j'ai tous mes... Bon, tant pis. Toutes mes fourragères et tout ça de... Ah oui. De la femme du peuple, voilà. Tu démarres, tu prends la sortie vers le nord, puisque c'est vers le nord qu'est la porte Strokov, et tu pars. Tu te diriges comme tu peux vers le nord. Bon, il y a une seule route, hein, donc c'est pas très compliqué. Et vous arrivez au loin, vous voyez la grande ligne qui entoure le bloc d'Olomouc. La porte Strokov faisait autrefois partie de la ligne du bloc d'Ostrava, avant le désastre de Ranitzé. Quand vous arrivez près de la porte, en fait, vous voyez un camp de tentes, en fait, à l'intérieur du bloc. Un camp de tentes, plutôt d'installation de fortune. C'est pas un bidonville, hein. C'est plutôt une implantation militaire. Vous apercevez, vous croyez apercevoir des gens qui ont l'air fatigués, avec des tenues et des emblèmes un peu variés, en fait, comme s'il y avait deux bandes concurrentes. Et toi, tu sais, Dominique, que des fois, il y a des bandes qui vont à l'extérieur pour aller repérer des mines, en fait, des choses comme ça. Mm-hmm. Et donc tu ralentis un peu à l'approche de la porte et en fait tu ne comprends pas, mais alors que tu avances, t'as un spot de lumière qui s'allume au niveau d'une espèce de guérite, en fait, et les portes s'ouvrent et tu peux passer. Je passe, hein. Tu passes, en fait, dans la porte qui se referme derrière toi, là, donc la route elle tourne ou à gauche ou à droite tout de suite. À gauche. Tu tournes à gauche, ça y est, vous êtes à l'extérieur du bloc. Les récits qui hantent ce qui se passe à l'extérieur depuis votre plus jeune âge vous remontent en mémoire. Vous savez que la nature sauvage justifie à elle seule l'isolement de l'humanité. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la ligne du bloc. Il n'y a rien à part la mort et la folie. Sous vos yeux, une lande brumeuse, constellée de villages à l'abandon, une brume partout. Vous suivez la seule route vers l'ouest et vous avancez. Chaque mètre vous sépare de l'oasis de lumière que constitue le bloc de l'Olomouc. Le silence s'abat. Les ténèbres et la brume vous engloutissent. Vous êtes au cœur de l'enfer. Vous avancez un petit peu sur cette route, et au bout de quelques kilomètres, l'ambulance tombe en panne. Qu'est-ce que vous faites ? Ben, c'est une panne d'essence ou c'est une panne, on ne sait pas. Faut qu'il aille regarder. Est-ce que les phares sont toujours allumés ou pas ? Oui. J'ai soulevé le capot de... Tu comprends que le réservoir d'huile du moteur est vide. Tu essaies de comprendre pourquoi. Il y a une énorme larve qui a foré un trou à l'intérieur. Votre voiture est inutilisable. Je regarde quand même à l'arrière de l'ambulance s'il n'y a pas des,
du... c'est une ambulance, donc il y a peut-être effectivement de n'importe quoi pour cautériser ça, colmater. Et puis éventuellement un bidon d'huile dans une ambulance, ça doit bien se trouver. Non, rien de tout ça. À côté de vous, une borne marquée 15. Ah, alors, on va marcher pendant deux bornes. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous avancez donc. À l'arrière de l'ambulance, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait prendre, une lampe ou autre? Ouais, il y a des lampes éventuellement et des couvertures. Quelque chose qui pourrait servir de bâton pour frapper sur quelque chose, si, ok. Une civière? Ouais, une civière. Ouais. Donc tu peux enlever les barreaux de la civière. Ouais. Moi, je prends un barreau de la civière. Moi, je serre. Comment faire blanchir les phalanges? Je prends un autre barreau. Ok, vous vous apercevez qu'en fait il y a des lampes à résine qui sont disposées le long de la route, mais elles sont éteintes. Éteintes vides ou éteintes? Éteintes. Tu sais qu'il ne faut pas allumer ces lumières au risque d'attirer des créatures de l'extérieur. Ah, elles sont pas allumées les... Par contre, nos lampes torches, ça va. Ouais, mais tu peux... Là, t'as par réflexe, tu dis peut-être qu'il faut que j'éteigne. On faut surtout pas allumer les lampes qui sont là. Et on risque d'attirer des grosses bestioles. Alors, la lampe, on l'éteint, on discerne quand même les choses. Oui. Donc, dans le doute, on les garde avec nous en cas de besoin. Mais il vaut mieux avancer dans l'obscurité la plus profonde. D'accord. Je te fais confiance. Allons-y. À la limite, on peut aller en queue leu comme ça. On se perd pas. Enfin, tu sais, on peut se tenir. Ouais, on se voit de planche en planche quand même. Vous avancez. C'est difficile. Vous avancez lentement dans un paysage assez lugubre et irréel. Votre vie ne dépend plus que de vos connaissances et de votre instinct. Des fois, vous prenez une ornière sur la route et vous tombez. Des fois, vous entendez des feulements à côté de vous. Des fois, vous êtes pris de tremblements parce que vous ne sentez plus la main de celui qui est derrière vous. Vous allez gagner, chacun, un point de dommage que vous mettez ou dans blessure, ou dans noirceur, ou dans trauma. Moi, je me suis foulé une patte. Ouais, toi, tu t'es pris ornière, et eux, ils sont dans la crainte de perdre les autres, des bruits qu'ils entendent. Moi, le fait de savoir que la moindre lumière pourrait attirer des bestioles, ça me met mal à l'aise, et je suis un peu tendu, quoi. Si mes souvenirs sont bons, je connais Prague, la ville de Prague, je connais le bloc d'Ostrava, j'ai jamais foutu un pied en dehors d'une civilisation. Et je n'ai eu que effectivement les racontars de ce qu'il y avait à l'extérieur et qui était terrorisant. Et cette fois-ci, j'y suis, quoi. Donc, On peut même rajouter que sans tes fourragères, tu te sens encore plus à nu face à l'hostilité de l'extérieur. Mais là, je suis en train de me transformer, en fait. Ouais. Parce que sans mes fourragères, ça y est, le ministère de l'effort, il est loin, il n'est pas là. Là, je suis dans la campagne. Je suis juste un citoyen lambda. Bah, au moins, l'avantage, c'est que sans tes fourragères, t'es plus fréquentable. C'est l'avantage. C'est toi qui le dis. Au bout de 2 km, vous arrivez, la borne 17 apparaît dans la broussaille. Juste un plot de pierre sur un embranchement. Devant vous, il y a la piste balisée qui est un cordon stable et rassurant, celle où les lumières sont éteintes tout le long. Mais il y a une autre route qui file vers l'ouest, qui elle s'enfonce dans cette terre perdue située entre l'ancienne ligne de l'Omoc et la nouvelle. Au sol, vous distinguez des traces de chenilles attestant le passage de l'ambulance. Le doute n'est pas permis, contrairement à la peur. Vous décidez d'aller à l'ouest. Le sol est meuble et spongieux. Bientôt, vous sentez l'eau qui mouille vos pantalons. Vous sentez un fluide visqueux, malodorant et opaque. Vous entendez des ploufs, plus inquiétants que les choses qui sont dans les étangs. Vous voyez des carcasses de véhicules,
qui pourrissent, des carcasses d'animaux parfois. Assez rapidement, il y a des essaims de moustiques qui vous attaquent. Vous faites quelque chose de particulier ou pas ? Moi, je voudrais essayer de... Si j'ai un mouchoir, entre ça, c'est de me boucher les orifices. Genre de... Pas de boucher, mais de bloquer les orifices pour éviter que ça me rentre dans le nez ou la bouche. Quoi. Tu commences à mettre ton mouchoir et en fait, tu te dis que ça va pas suffire. Vous voyez Dominique qui commence à mettre ses mains dans l'eau, la sortir pleine de vase et commencer à s'enduire le corps de vase. Toute la peau. Comme ça. Méthodiquement. Ça repousse les insectes. N'hésitez pas à faire comme moi. Ouais, ça me dégoûte également. Moi, j'ai des gants. Donc, en fait, j'ai que le visage. Mais je me rappelle de la personne qui n'avait plus toute sa santé mentale qui m'a... J'entends dire encore « Attention, mystique !» Et donc, je me dis « Ah, c'est bon, là, on y va. » Au point où on en est rendu, je fais comme Dominique. Je me dis « Tiens, moi, ça me fera un masque de boue. » Donc, je fais le truc comme ça sur mon visage. Et puis je referme mon manteau jusqu'au cou, en fait, comme ça. Donc j'ai rien qui... À force qu'elle descend, le prochain scénar, je la fais signer au syndicat. Kubik, tu t'enduis de boue aussi. Moi, je commence à douter quand même, parce que Dominique, aujourd'hui, m'a quand même mis dans une sale mouise. Mais bon, la survie, ça doit le connaître. Donc je repense à ce que j'ai subi dans ces analyses dégueulasses. À la merci de n'importe qui alors qu'ils m'ont endormi. Alors là, au moins, je le fais de moi-même. Donc j'en prends et je m'enduis. C'est moi qui ai pris la décision de le faire. D'accord. En fait, alors que tu te mets, tu t'es mis ta boue et tout ça, tu as continué à avancer et tu t'aperçois, en fait, tu te sens une douleur au niveau de ton avant-bras et tu découvres qu'une sangsue est accrochée à ton avant-bras. En fait, elle s'est infiltrée pendant que tu avais pris la boue. Elle te vit ton avant-bras devient insensible et noirci en quelques minutes. Dès que je le vois réagir comme ça, je m'inquiète et j'essaye de le soigner. Tu peux essayer. Il arrache il crame la sangsue, il l'arrache directement et il t'applique un espèce de. Un onguent. D'onguent, quoi. En fait, il a un truc. Pour bander, ouais, tout. Mais t'as toujours ton moins un en déplacement parce que faut encore que tu passes à un moment calme, quoi. Faudra que tu te poses à un moment. Mais au moins, il n'y aura peut-être pas d'infection. Il n'y a pas d'infection qui va. D'accord. De toute façon, la parasitose, c'est bien soigné à Inkoff. Malgré votre vigilance, vous n'arrivez pas à détecter les passages où vous pouvez éviter. Le fiel éventuel qui traîne dans les eaux boueuses que vous n'arrivez pas à détecter, tout le monde va prendre 2 points de noirceur. Vous avancez péniblement. Vous voyez alors apparaître des espèces de grosses créatures ou objets, vous ne savez pas trop, blanchâtres, qui sortent des bois et se tiennent mollement au-dessus de l'eau. Chacune de ces choses mesure environ 30 cm de diamètre. Et s'avère doté d'un pédoncule d'un mètre de long sous son ventre, pendant. Elle semble palpiter et crépiter. Elle s'immobilise non loin de vous. À ce moment-là, plein les moustiques, des insectes et plein d'animaux volants, voire des oiseaux, se ruent vers ces boules. Ils pénètrent sans difficulté. Et elles sont consommées. Puis, les sphères repartent. Hé, hey, vous ! Hé ! Il y a une silhouette, un homme qui vous hèle. Hey, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît ! Est-ce que, en voyant ça, il y a quelque chose qui peut me faire penser que c'est un comportement louche, qui, de cette façon ? De nous héler en plein milieu de n'importe où. Alors, oui, ça peut être louche, mais... S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez ? Des soins, de l'aide ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis blessé ! Comment ? J'ai survie ! Mais comment vous vous êtes blessé ? Tu te rabranches ou quoi ? Pas pour l'instant. Je me suis fait attaquer par un animal.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. On le voit ou on l'entend simplement? Il est pas loin de toi. Hein. Donc on le voit. Ouais, si tu allumes la lumière, tu verras. Et si j'allume pas la lumière? Bah, tu vois ça. Je vois ça, la forme. Tu verras distinctement. Ça nous fait sortir de notre sorte de petit chemin construit. Non, il est devant vous. Il est devant vous. Ah, il est sur ouais, le chemin. Ouais, plus ou moins, ouais. Ah bah, on peut s'approcher alors. Moi, j'avais peur qu'il nous écarte du. Non, vous vous approchez avec. Non, mais non. Par contre, moi, je regarde j'essaie de voir. Pour l'instant, il y a rien. Hein. Moi, j'ai pas du tout confiance. Après, je me dis que. J'allume ma lampe, médecin, donc je le fixe lui et okay. Autour. Alors, tu vois le visage d'un homme qui est cloqué. Ses cheveux, c'est des touffes un peu éparses comme ça. Il tient un mouchoir, il tousse dedans. Et en fait, pour toi, il a été irradié. Et en plus, tu vois qu'il est blessé sur le flanc. Il a. Un accoutrement, il a un gilet renforcé, des poches, un gilet avec des poches comme ça, il a un masque à gaz, il a une carabine, enfin bon, il a un truc pour sortir à l'extérieur, quoi, visiblement. Ben je vais vous soigner, mais vous venez d'où comme ça, paumé ici? Alors, il se rapproche. Vous venez d'où, vous? Il s'arrête, tu sais. Je viens d'une cove. Vous n'êtes pas des infirmiers? Si, mais l'ambiance est en panne. Elle est tombée en panne à la borne 15. Les infirmiers? Bah oui, je viens de vous dire que je vais vous soigner. Non, pas du genre que vous pensez. Ah non, mais moi, je vous dis que je vais vous soigner. Je suis un infirmier normal, quoi. Enfin, pourquoi il y a un problème? Il commence à mettre la carabine devant lui, comme ça. Il pense qu'on est fanatique. J'y retournerai pas! Où ça? J'y retournerai pas là-bas! Au sanatorium. Ouais. Mais on fuit le sanatorium, nous. Regardez mon bras. Et je lui monte la lampe. Ils m'ont fait des prises de sang pour avoir une raison de m'interner là-dedans. Et c'est mon fils. Et c'est une amie. C'est eux qui m'ont fait sortir. C'est armé? Non. Bah pas comme vous. Mais sa carabine, il s'approche. Tu peux essayer de le soigner un petit peu. Hein. En fait, c'est sa plaie qui lui fait mal. Mais dis-nous, vous venez de nous braquer avec votre arme, et puis maintenant, il faut qu'on vous soigne. Mais vous êtes qui, vous, en fait? Qu'est-ce que vous faites là? Ils m'ont interné à Inkoff. Ils ont dit que j'étais fou. Je sais que je vais mourir. Hein. Je suis pas débile. Je sais que j'ai une maladie. Hein, mais je voulais pas mourir avec au milieu des fous, là. C'est des malades là-bas. Comment vous êtes retrouvé ici là? Parce que je me suis enfui. On est super loin de Linkoff. Ouais, je me suis enfui et j'ai couru vers le nord, vers la porte là, et j'ai trouvé des bandes là. J'ai négocié, ils m'ont donné une petite tenue et j'ai pu sortir. Et qu'est-ce que je préfère mourir dehors que dans cet asile là. Bah alors pourquoi vous voulez être soigné? Je veux bien mourir, mais le plus tard possible. Pourquoi pas être parti plutôt du côté de l'Omoc? C'est pareil, c'est tous les mêmes. Ils vous disent vous êtes fous, ils vous mettent dans des cages, c'est bon, je vais être libre, moi. Et comment vous arrivez à subvenir à vos besoins ici, là? Je chasse. Les bêtes. Bêtes. Des fois, elles font mal. Et vous avez vu d'autres gens par ici? Y a un village plus loin. Il nous montre derrière lui, là. Oui, il te montre vers là où vous allez. Il y a un village dans le coin. Ouais. Vous êtes sûr de vous? Une enclave, quoi. Pas un village. Un truc, une zone fortifiée, quoi. Vous pouvez nous emmener Ouais, vous. J'ai bien un peu d'eau, alors. Un peu d'eau, un peu à manger, si vous avez. Il me reste peut-être des algues de ce que vous faites. Ok, donc tu lui donnes un peu de trucs. Puis, comme vous m'avez soigné, je peux peut-être vous emmener un peu, ouais. Mais vous êtes pas équipé, vous, hein. Non, c'est ce que je vous disais. On a dû fuir en vitesse pour sortir de là et on n'a pas eu le temps de prendre quoi que ce soit. Et vous allez là-bas, là? C'est le seul chemin. C'est là où elle va, l'ambulance, d'habitude. Écoutez, vous nous emmenez. Et j'ai une super bouteille de Nioh à vous donner, tu vois. À Krasova, vous allez à Krasova? Ouais. L'ambulance, une fois par mois, elle va à Krasova. Et on va aller à Krasova. On y va. On sera plus en sécurité là-bas qu'ici. Et vous aurez une bouteille de Nioh.
C'est pas alors, il se tient, pendant ce temps-là, tu fais ton bandage, toi, tu mets tous tes trucs pour le soigner, cubique. Tu lui donnes maintenant la bouteille de Nul ou après? Je vais lui donner quand on arrivera. Okay. Et puis, il commence à vous emmener un petit peu. Il marche lentement, hein, comme vous. Et puis... Et en chemin, je lui demande... pourquoi elle va là-bas, d'habitude, l'ambulance? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne suis pas... Je vous montrerai, mais j'irai pas jusqu'au bout, hein. Je vais pas retourner là-bas, hein. Je vais pas aller à Inkov. Ah, non mais là... Krasova, vous y êtes déjà allé ou vous savez juste... Bah non, je fricote avec Inkov, moi je veux pas y aller, hein. Allez, on marche. Faut pas faire de bruit. Moi je suis juste derrière lui, au cas où il faudrait nous faire un coup de Trafalgar, tu sais, je... Ok. J'ai la pince outil dans les mains. Ok. Vous avancez comme ça, finalement, il fait pas trop de bruit, il marche, vous êtes concentré quand même, parce que la route, elle est un peu pas claire, quoi, faut faire attention. Et puis, tu te retournes pour voir si Kubik et Yana sont là, parce que tu les entends plus, tu vois plus de lumière, bon, bah, tu regardes. Ils suivent. Tu te retournes, et en fait, le mec, il s'est barré, quoi. Il est allé à quelques mètres plus loin, tu l'as pas entendu partir, quoi, il est parti à quelques mètres. Puis, vous l'entendez, il part en... Désolé, les amis, mais... J'ai donné plus assez faim. Et puis il commence à courir. T'entends un bruit, un sifflement aigu et diffus qui vient de ton détecteur de radiation. Tu t'aperçois qu'il est brûlant, voire bouillant. Il commence à te chauffer très 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 fort. Et vous entendez un craquement gigantesque. En quelques secondes, il y a de la brume qui monte au sol. Et soudain, un énorme bruit, accompagné d'une grosse secousse. Vous entendez les pas d'une créature gigantesque. Vous avez une forme grise de 5-6 mètres de haut à une dizaine de mètres de vous. Et ainsi se termine la première partie de l'Omoc. Dans quelques semaines, la suite et fin de La Réponse. Merci pour votre écoute et soutien.